Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit. Aujourd'hui, on se retrouve pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette journée. Alors. J'ai une carte qui s'est retournée directement. Les choses sont en train de bouger, on me dit. Il y a une situation qui est en train d'évoluer à un plus haut niveau. C'est ce que je vois. Ça peut créer chez certains de la confusion, des disputes aussi. Ça peut créer ce genre de c'est pas, ça concerne un changement. Il peut y avoir un conflit ici, hein. Peut-être une prise de tête. Ou bien ça peut être aussi un conflit intérieur. Moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire que c'est un conflit intérieur avec... Vous voyez, pas du tout. Je suis désolée, je viens de m'apercevoir. Vous voyez maintenant les cartes correctement. Donc, je disais, pour moi, c'est un conflit intérieur concernant une évolution. Je vais essayer de voir si on peut me donner un petit peu plus d'éléments. Je vois un petit conflit intérieur, ouais. C'est un dialogue qui se passe en fait entre vous et votre être supérieur ici. C'est ce qu'on me donne à voir, hein, pour une évolution. Une évolution qui sera plus positive mais qui vous perturbe assez, qui va vous perturber assez durant cette journée. Alors, ouais. On peut peut-être justement vous demander de vous ressourcer ici, de puiser de l'énergie à l'intérieur de vous afin de mieux canaliser les ressentis afin de vous diriger correctement ici dans le bon chemin, c'est ce qu'on me dit. Je vais voir si on peut me donner un autre élément nouveau. Pour d'autres, ça va nous parler autrement, mais j'attends quand même juste d'avoir la carte. Je m'excuse parce que j'ai vu depuis le début que j'ai une carte qui était déjà retournée dans mon jeu. J'ai pas eu le temps de la remettre à l'endroit. Alors, ça prend un peu de temps ce matin, je suis désolée. Voilà, donc je poursuis. Je poursuis et j'ai toutes les cartes qui sautent en même temps. Alors, on reprend le jeu. Bon. Ici, ça rejoint vraiment ce que je vous ai dit. Ça peut être concernant justement, peut-être pour certains d'entre vous, vos dons. Hein. Il y a une évolution et ça peut créer un conflit intérieur ici. Peut-être un déséquilibre, j'ai envie de dire. Peut-être des petites choses contradictoires au niveau de votre bien-être. D'accord? C'est vraiment comme ça que je le vois. Mais c'est une transformation qui est nécessaire de toute façon. Donc, vous ne pouvez pas l'éviter. D'accord? Pour ceux qui sont dans le domaine de la spiritualité, de la guérison, on vous dit qu'il y a un changement favorable qui va s'opérer en vous. C'est possible que vous vous sentiez peut-être un petit peu à fleur de peau. D'accord? C'est, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Parce que j'avais quand même la carte du serpent qui a sauté à un moment donné du jeu. Mais en doute dès que j'ai quand même la carte de la chance, donc c'est quand même une nouvelle opportunité, mais malheureusement il vous faudra passer par ces petites épreuves un petit peu contraignantes. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les énergies du matin. Pour ceux qui sont pas du tout dans le domaine de la spiritualité ici, ça va nous parler justement d'une évolution conflictuelle par rapport à des discussions qu'on n'a pas forcément connaissance qui se font dans notre dos. D'accord? Et c'est des choses qui vont avoir tendance à vous agacer ici concernant cette évolution. On vous demande de garder espoir ici et de continuer encore à puiser en vous les ressources, peut-être le courage et puis la détermination pour arriver à mener à bien votre projet ici, hein. Quelle qu'en soit la nature, de toute façon, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit d'avoir encore un petit peu de patience. Je sais que c'est très, très demandé en ce moment, la patience. D'essayer de canaliser un petit peu ces mauvaises énergies, de peser le pour et le contre et de laisser aller les choses négatives et superficielles de côté et rattachez-vous vraiment à des choses qui vous procurent du bien-être. Voilà ce que je pouvais vous dire.
J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour ceux qui souhaitent avoir une guidance personnalisée. Vous pouvez me joindre. L'adresse email se trouve en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Merci.